coup, alors voilà la vidéo sur l'aménagement de la serre que nous avons construite cet été. Elle n'est pas encore terminée, on manque encore un peu de matériaux, donc du coup, on n'a pas pu terminer. On a fait ce qui était le plus urgent pour le début de la saison prochaine, mais il reste encore pas mal de taf et on va voir ça ensemble. Hein. Je vais vous partager quand même ce que nous avons à faire encore et partager un petit peu les aménagements que nous avons déjà faits et aussi les fonctionnalités de cette serre, puisque je vous avais dit qu'elle faisait plusieurs choses. Allez, c'est parti pour la visite! Allez, on rentre. Il fait pas très beau, hein. Il fait nuageux aujourd'hui. Il y a du vent. J'espère que ça va pas gêner la visite. Alors, quand on rentre à droite, on a un rideau qui fait office un petit peu de porte parce qu'on voulait pas mettre une porte et ça empêche le chauffage quand on chauffe d'aller chauffer de l'autre côté parce que c'est la partie abri de jardin. Donc avec des étagères, rien de bien compliqué. Voilà où on a tous nos outils, etc. Donc voilà, ça c'est le premier usage de cette serre, c'est d'avoir justement cette partie un petit peu abri de jardin, hein, puisque c'était ça à l'origine. Et puis le premier espace, qui était anciennement donc l'abri à jardin, eh bien on l'a transformé en serre à semis. Donc là c'est pour le semis. Alors pour la partie semis, on va se mettre de ce côté-là, je vous expliquerai plus tard le reste. Alors ici, on a tout ce que nous avons besoin. Un petit crochet pour mettre les pulvérisateurs et puis d'autres petites choses. Quand j'ai une veste ou quoi que ce soit, ça marche aussi. On a un espace pour rentrer un pot parce que je veux aussi que cette serre fasse aussi véranda, qu'elle puisse mettre des plantes gélives, voilà, pour les protéger de l'hiver. Et donc ici, on a un bac. Voilà, traditionnel, hein, un peu haut parce qu'on est sur du béton, donc on cultive sur du béton. On l'a mis pour pouvoir cultiver des semis dans un premier temps et aussi quelques plantes d'été. Et on l'a surmonté de pied pour pouvoir mettre une table, pour pouvoir y mettre des semis supplémentaires, puisque je ne ferai plus de semis en intérieur. Elle sera unique. Tous les semis seront ici. Et donc voilà pourquoi il y a ce petit espace. Et du coup, l'été, je supprimerai cette planche et je pourrai cultiver des choses un peu plus hautes. Alors ici, il manque un petit peu d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, on va tirer une rallonge qui va être ici, au-dessus. Les prises vont être de ce côté-là. Et je vais pouvoir y mettre les tapis chauffants et, si besoin, quelques lumières. Bon, là, je pense pas que ça soit utile, mais en tout cas, voilà, j'aurai des prises pour mettre les tapis chauffants pour mes semis. Et au bout de cet espace à semis, eh bien, nous avons créé, enfin, j'ai créé, parce que Cyril a fait l'armature, mais moi, j'ai fait l'intérieur. Donc, ça va servir de séchoir pour mes plantes aromatiques. Donc voilà, c'est pas fini encore, j'ai pas fait mes claies, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est entièrement hermétique, presque hein, hermétique à la lumière. C'est pas hermétique au niveau de l'air parce que j'ai fait une petite ouverture pour que l'air circule bien comme il faut. Et puis j'ai la possibilité, si jamais je veux faire aussi du séchage en hiver, de mettre un chauffage en bas pour que l'air monte, l'air chaud monte et puis. Puisse sécher mes plantes. Donc voilà, il est très petit, hein, c'est 40 par 40, mais nous, ça nous suffit. On a une petite étagère en haut pour mettre quelques plantes. Et de ce côté-là, c'est ma table de travail. Quand j'ai table de travail, ce ne sera pas que pour les semis, c'est aussi ma table un petit peu atelier, là où je vais un petit peu bricoler, faire du tout petit bricolage. Donc voilà, j'ai des outils ici sur le côté. Alors il faut savoir que tout ce que vous voyez là est en récup. C'est-à-dire qu'on a pris le bois, qu'on a découpé un peu partout dans l'abri à jardin pour refaire des bacs, des meubles. Là, c'est des caisses à pommes. Bref, on a tout récupéré. Ça, c'est un ancien meuble en fer. Voilà, pour faire une petite crédence. Bref, tout est de la récup. On n'a rien acheté. Et ici, pareil, ça, c'est notre ancienne cuisine. Bref, voilà, c'est que de la récup. Et donc, on a fabriqué un meuble pour avoir là les outils à main très rapides, hein, comme le potager juste à côté. Je rentre, hop, je prends mes outils et je m'en vais puisque j'utilise exclusivement que ceux-là. Les autres sont plus au fond, je vous montrerai.
Et puis donc une grande table pour faire mes petites préparations de semis, mes repiquages, etc. Avec plein de petites, voilà, plein de petites choses ici, suspendues. Ici, une autre petite table. Bref, voilà, je veux que ça soit assez... que j'ai tout à proximité, que j'ai pas à courir nulle part. Voilà, là vraiment, j'ai absolument tout. Et puis dans les caisses à pommes, j'ai tous mes godets que j'ai besoin pour la saison. Et au-dessus, c'est le séchage des graines pour l'année prochaine. Et puis des étagères où j'y mets un peu. Ça évolue avec évidemment avec les saisons. Hein, les étagères se remplissent plus ou moins de certaines choses. Là, c'est parce que je vais devoir protéger le bois avec le brou de noix et l'huile de lin pour donner la couleur. Hein, le brou de noix, ça protège pas. C'est juste pour donner un petit une petite couleur. Et puis là, pour protéger. Donc voilà, un petit tableau, c'est très utile. Petit tableau à craie. Ici, j'ai aussi accroché mes petites recettes bio pour le jardin. Et donc, la petite particularité des étagères qu'il y a ici. Alors, le rideau, c'est pareil, hein, c'est de la récup. Hein, j'ai fabriqué des rideaux sur mesure avec un seul rideau. Donc, ici, c'est des étagères. Voilà, celle-là, elle est fixe. Celle-là, elle est à roulette, en fait. Alors, je ne vais pas pouvoir la tirer parce que... Ah si, ça y est, voilà. Elle est à roulette. Parce que comme j'ai des problèmes de dos, eh bien, du coup, j'ai une petite roulette pour pouvoir récupérer des choses ici. Alors, habituellement, j'y mets aussi du terreau à semis. Bon, là, ce n'est pas encore le cas puisque j'en ai plus. Voilà. Hop, on referme. Ici, on a un autre espace... Pareil, là, c'est le même système avec les roulettes. Et ici, un petit truc coulissant. Voilà, si je voulais, voilà, pour éviter le tiroir. Bon, ben, c'est pareil, j'y entrepose aussi tout ce que j'ai besoin pour le jardin. Et dans l'autre espace, c'est là où c'est pas terminé. C'est là où il va y avoir donc le côté plutôt serre, vraiment serre. Serre pour cultiver. Alors, pour l'instant, il n'y a que des pots. Voilà. Les pots que je rentre pour l'hiver. Et plus tard, il y aura tout le long ici également, des bacs qui feront à peu près 60 de largeur et puis la même hauteur qu'ici, hein, voilà, pour pouvoir y cultiver tout, à peu près tout ce que je veux. Et aussi pour y mettre des plantes grimpantes qui gèlent la plupart du temps ou qui craignent un peu trop les différences de température. Ce sont les kiwis que je n'arrive jamais à faire à l'extérieur. Et le kiwi qui va rentrer également ici. Bon, ben là, on a un citronnier également, mais il va rester en pot. Par contre, les kiwis et le kiwi, eux, ils vont être plantés dans les bacs que nous allons faire. Et puis ici, vous avez... ce côté-là où j'ai entreposé tous mes outils, voilà, que j'ai besoin, les outils de jardin, les outils de taille. Ici, on a en préparation pour les... c'est des bouteilles pour les purins. Et puis ici, c'est le réservoir d'eau qu'on a déjà rempli pour l'hiver, pour avoir une température ambiante, hein, au niveau de l'eau. Ici, on voit l'autre côté. En haut, nous avons des petites étagères pour mettre les pots, les coupelles, enfin bon, plein de petites choses. Et j'ai une collection de fossiles. Voilà. Alors, c'est un endroit qui va aussi servir un peu comme véranda, où je vais venir l'hiver pour lire, me reposer, méditer, bref. Et du coup, j'ai mis mon petit coin avec... avec des plantes autour pour cacher un petit peu les outils qui sont pas très zen. Et un petit fauteuil avec une petite table pour prendre le petit thé. Bref, quelque chose de tout mignon pour pouvoir profiter de cette serre vraiment toute l'année. Et puis j'aurai aussi ce tréteau avec cette petite table en plein milieu quand j'en aurai besoin pour avoir un peu plus de semis ou pour peindre aussi. Parce que des fois je fais de la peinture, là je dois repeindre ceci par exemple. Donc voilà, ça va me faire aussi mon petit atelier, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà un petit peu pour cet espace. Et la petite particularité aussi, elle fait une autre fonction, c'est que j'ai installé ici un fil à linge pour pouvoir profiter de la chaleur de la serre
en mi-saison notamment, pour faire sécher mon linge, parce que c'est pas très, enfin c'est pas super pour moi de faire sécher le linge dans la maison avec l'humidité. Donc je préfère le faire sous serre. Et donc j'ai juste attiré la petite lamelle que vous avez ici, et puis je tire et puis hop, je l'accroche sur les petits crochets ici. Et j'ai mon étendoir à linge et je peux mettre ma paire de draps, enfin mes draps. Donc c'est vraiment super pour ça. Ça, c'est vraiment top. Donc c'est pour ça que je vous dis, elle est vraiment multifonction. J'y peux y faire n'importe quoi. Elle va faire atelier, serre, véranda, bref. Alors en ce moment, on a mis le chauffage parce qu'on a des températures qui descendent en dessous des 5 degrés et je veux pas descendre en dessous des 5. Donc du coup, voilà, on a tout un système ici pour pouvoir chauffer tout doucement la serre. Encore une petite étagère avec des petites plantes, etc. Donc voilà un petit peu cette serre. Il y a encore beaucoup de travail, hein, puisqu'il faut que je finisse mes clés pour le séchoir. Il faut qu'on fasse les bacs, il faut qu'on repique toutes les plantes qui vont dedans. Il faut également que nous terminions le parti électricité, puisqu'il manque des prises au niveau, notamment ici. Et puis de l'autre côté, puisque j'ai besoin pour mes tapis chauffants. Sinon, et une petite lumière ici. Mais sinon, tout le reste, c'est terminé en termes d'électricité. On a tout ce qu'il faut. De toute façon, je ne pense pas l'utiliser en pleine nuit, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, le plus gros est fait. Et vraiment, je suis vraiment très très fière d'avoir cette serre. Et super contente. C'est vraiment un rêve de petite fille. Et vraiment, c'est top. Vraiment, c'est top. Alors, on m'a posé la question pour les fenêtres, comment on avait fait les fenêtres. Mais en fait, on a fait un cadre en bois où on a pincé une plaque de polycarbonate. On a des charnières en haut et là des petits loquets pour. Alors, j'ai essayé quand même d'ouvrir celle-ci parce qu'elle est là. Donc voilà, c'est des petits loquets, hein, tout simple. Hein. Hop, hop. Hop, et ça s'ouvre. En fait, on a des petites charnières. Je ne sais pas si vous allez les voir parce qu'elles sont à l'extérieur. Donc voilà, et puis on ouvre, et puis voilà. Alors pour l'instant, ça tient avec un bambou à l'extérieur qui est tombé avec le vent. Mais je vais créer un système, justement, je vais la laisser comme ça, pour la maintenir. Hein. C'est très simple, mais faut que je trouve le système en fait. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!